Yo les amis, c'est Baki187. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc pour la fameuse vidéo de remerciement pour tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et qui m'ont permis de passer le cap des 1000 abonnés. Encore une fois, un très grand merci à vous. Mais avant ça, j'ai un petit message spécial pour l'enfoiré qui m'a signalé le live. Donc c'est pour ça qu'hier soir, il a eu une coupure dans le live. C'est tout simplement que j'ai pris un signalement dans la gueule. Donc, espèce de mec ou de femme, hein, peu importe. Espèce de sans-vie là, qui a rien à foutre que de liker, enfin que de disliker et de signaler les lives des autres. Fais-toi déjà des lives, fais-toi déjà une chaîne qui marche, ou qui marche à peu près, et puis après à ce moment-là, tu pourras commencer à liker, ou à disliker, ou à signaler les lives des autres, pour flinguer leur boulot. Mais bon, voilà, bref. Je vais pas en dire plus, je vais juste te faire passer un petit message pour te remercier. Après j'enchaîne avec le générique parce que il y a des vrais gens qui attendent leur vidéo de remerciement. Donc voilà, parce que toi t'es vraiment un mec ou une femme sans vie. C'est même pas la peine de taper 2 minutes sur ta gueule parce que, comme on dit chez nous, on tape pas dans la merde. Nadine Mouk, Nadine Babek. Et donc nous voilà pour le premier remerciement Extreme Ride. Un très très grand merci à toi d'être abonné à la chaîne. Donc petite présentation de ta chaîne. Actuellement tu as quelques petites vidéos donc où tu fais un peu de sport apparemment et tout. J'avais été voir hier. J'ai regardé la vidéo ce que tu as avec tes potes là. Avec la pocket bike et tout. Ouais bon, bah, bon les montages, t'as fait un petit peu de montage dessus apparemment dans la vidéo. Ouais, il te reste encore un petit peu de travail à faire, mais ça commence à progresser, donc c'est pas mal. Et là, tu es actuellement à 80 abonnés. Donc c'est plutôt cool, franchement. Et t'as une bonne moyenne de vues quand même, hein, entre 50 et 108 vues par vidéo. À part la petite dernière qui a 19, mais c'est déjà pas mal, franchement. Voilà quoi. Donc c'est vraiment cool. Donc n'hésitez pas à vous abonner à Extreme Ride. Donc voilà. Si vous aimez un petit peu tout ce qui est extrême et tout ce qui est rider, allez voir sa chaîne. Abonnez-vous en masse. On va essayer de lui faire passer quand même les 100 abonnés, hein, parce que voilà, il le mérite. Parce que les jeunes sur YouTube, il faut les encourager à mort, parce que c'est ultra compliqué maintenant de percer sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Et ici, nous allons passer à Monsieur Dream Team. Dream Team qui a actuellement 243 abonnés, poteau, c'est pas mal du tout. Bon, on va essayer de passer, de se faire passer 250, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Comme vous le voyez, il fait quelques lives, des lives et ta pub. D'ailleurs, il en a fait un il y a 19 h, donc il a obtenu 9 personnes, donc c'est pas énorme. L'autre live a fait 12, son meilleur live a fait 13 personnes. Donc, quand il fait des lives, abonnez-vous à sa chaîne, n'hésitez pas à lui défoncer enfin, la barre de compteur de vues et la barre d'abonnés, parce qu'il a 243 abonnés, on va essayer de lui faire passer les 250 abonnés. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Merci à toi en tout cas d'être abonné, enfin, d'être abonné à ma chaîne et m'avoir permis de passer les 1000 abonnés. Encore un grand merci. Et les prochains lives qui se feront, eh ben, n'hésite pas à revenir, tu es plus que le bienvenu. Tu es un très bon gars, donc voilà quoi. Et nous revoilà sur la chaîne de Omega Gamer 62. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Elle est actuellement à 134 abonnés, donc fais-tu exploser le compteur des abonnés également, on va la faire passer à 150. Et ici, elle a relativement pas mal de vidéos. Comme vous pouvez le voir, elle a vraiment beaucoup beaucoup de vidéos, donc n'hésitez pas à aller lui péter la barre des likes au maximum. Parce que ces vidéos font entre une petite moyenne entre 6 et... entre 6 et 52 vues, donc n'hésitez pas à aller voir ces petites vidéos. Ah oui, il y en a une de 82 vues. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Franchement, ça est une chaîne qui a l'air d'être très super intéressante et tout. Donc explosez-lui la barre des likes, explosez-lui la barre des vues, et bien sûr, vous lui faire au minimum passer 150 abonnés. Là pour l'instant, elle en a 134.
Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne en masse. Merci à vous tous. Et si, ici nous sommes sur SGT Baguette, qui a actuellement 83 abonnés. Bon, il fait un petit peu de tout aussi, apparemment il fait du front-end, il fait du call-off. Donc ici, lui, il faut minimum lui faire passer la barre des 100 abonnés. Il est à 83, donc les potos, il a largement moyen de lui faire passer la barre des 100. Et exploser lui aussi la barre des vues. Ses vidéos tournent en moyenne entre 21 vues et à peu près une soixantaine, donc un peu plus de 60. Donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo aussi. Donc voilà quoi. Et une petite bannière assez sympa, je trouve. Franchement, bien bien foutu. Et une nouvelle petite photo ici qui fait un petit peu moins peur que l'ancienne. Parce que je vous assure que la première qu'il avait mis, elle était un petit peu flippante. Voilà, ici il a actuellement aussi encore une autre vidéo qu'il a fait il y a 3 semaines, elle a 83 vues. Donc joli, joli. Donc on lui explose la barre des compteurs, enfin la barre des abonnés. On lui fait passer minimum 100 abonnés. Là, il est à 83, donc n'hésitez pas. Et encore un grand merci à toi d'être modérateur chez moi et d'être abonné à ma chaîne. Un très grand merci à toi, poteau. Et nous voilà chez le poteau Elias Ou. Allez! Qui a actuellement 250 abonnés. Ah, quand même! Et t'as bien remonté aussi, toi, mon gars. Donc, c'est super pour toi. Et ben, ces vidéos ici font en moyenne entre 5, entre 41 vues et pas loin de 100 vues. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Franchement, ça a l'air d'être super intéressant aussi. Et la bannière, une petite bannière qui rappelle les vacances, le soleil et tout, c'est magnifique. Et donc 250 abonnés, on va essayer de lui faire passer les 300 abonnés, les gars. Donc n'hésitez pas à vous abonner en masse sur sa chaîne. Et à lui faire monter un petit peu les vues aussi également, hein, comme, tant qu'à faire. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Bon, ici, il y a pas mal de vidéos aussi, comme vous le voyez. Franchement, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc, il y en a même quelques-unes qui pointent à pas loin de 200 vues. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos. Ah oui, mettre un petit like sur chaque vue, enfin, sur chacune de ces vidéos. Et à lui faire passer les 300 vidéos. Les amis, ce serait super sympa pour lui. Les 300 Parce que vidéos, c'est il est trop gentil. un. Car il est très, 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 très gentil également. Franchement, puis il me suit assez régulièrement sur les lives aussi. Donc, on lui explose au maximum la barre de compteur d'abonnés et la barre des likes. Merci à vous. Et nous voici sur la chaîne du Le Gamer 95 qui a également aussi pas mal de vidéos. Voilà, comme vous le voyez, il fait des lives et ta pub. Enfin, d'ailleurs, il fait pratiquement que ça. Il fait aussi un petit peu de rétro gaming, il me semble, non? Non, un petit peu de gaming ou non, toujours de live et ta pub. Enfin, voilà, il fait extrêmement beaucoup de lives et ta pub. Donc, n'hésitez pas à aller voir ses lives. Et lui faire passer au minimum le cap, allez, des 900 abonnés, parce que là il a 964, donc il a largement moyen de passer les 900 abonnés. Donc n'hésitez pas à lui exploser la barre des likes et à lui faire exploser la barre des comptes, enfin la barre de compteur d'abonnés, donc à 900, et à liker un maximum ses vidéos et aller voir ses lives parce qu'ils ont l'air assez bien foutus quand même. Donc voilà, le gamer 95, une chaîne à pas oublier, les gars. Et nous passons à Monsieur Master One, qui a actuellement 147 abonnés. Donc les gars, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, on va essayer de lui faire passer au moins les 150. Là, il a que 3 petits abonnés à passer, donc on va même lui exploser la barre des la barre des abonnés. On va le faire, allez, et on va tenter de le faire passer les 160 abonnés. Et ici, sa chaîne est relativement variée, donc n'hésitez pas à les voir, il y a vraiment de tout. Mais de tout, il y a du live raid. Il y a du CSGO aussi, donc vous voyez, bon, franchement, c'est une chaîne très 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 variée. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et aller exploser la barre des compteurs de likes, lui faire passer au moins, lui rajouter une bonne trentaine, voire une quarantaine de vues sur chacune de ses vidéos. Il y a largement moyen. Et au moins 160 abonnés, donc ça fait que 13 abonnés plus, donc il y a largement moyen aussi, les potos. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne en masse. Un grand merci à vous. Nous allons passer au suivant. Et nous voici chez Monsieur Tachiro Detei, qui a actuellement 614 abonnés. Donc si vous êtes fan de manga, les gars, eh ben allez voir sa chaîne parce que franchement, il a des très très bonnes vidéos. J'ai été voir un petit peu hier et il y a vraiment de
des très 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 bonnes vidéos, donc n'hésitez pas à les voir. Franchement, en plus il y a des petites intros et tout. Vraiment super sympa ta chaîne, franchement, voilà, je regrette pas d'être abonné à toi. Et il est actuellement, donc comme je l'ai dit, à 614 abonnés, donc on va essayer de le faire passer les 650 abonnés. Il le mérite vraiment de ouf, parce qu'il fait des trucs vraiment de très très stylés et tout. Donc, Tachiro DT, allez voir sa chaîne, abonnez-vous en masse et mettez-lui des likes de partout et faites-lui passer au moins les 100 vues par vidéo parce que franchement, c'est du très bon travail. Merci à vous. Et nous allons passer au suivant. Et nous voilà donc sur la chaîne de Z Gaming YTB qui est exactement à 85 abonnés. Donc lui, on va essayer de lui faire passer les 100 abonnés également. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Bon, il fait un petit peu de tout aussi, du Rocket, enfin, du Fortnite, du Fortine. Désolé, j'écorche le nom à chaque fois de ce jeu-là, j'y arriverai jamais. Enfin voilà quoi, donc n'hésitez pas à aller voir ces petites vidéos de gaming. Apparemment, il a fait du GTA aussi, si je me trompe pas. Ouais, du GTA 5. Donc voilà quoi. Fortnite, peut-être. Ouais, du Fortnite, merci, voilà, c'est ça le nom du jeu que je cherchais. Mais à chaque fois, je l'écorche, mais un truc de fou. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Ici, il fait aussi des présentations de chaîne, comme vous le voyez juste ici avec la vidéo qui est ici. Apparemment, il doit faire des lives aussi, parce que j'avais vu. Voilà, présentation de chaîne ici également. Et donc, explosez-lui la barre des likes, hein, donc, comme d'habitude. Lui faire remonter un maximum le nombre de vues. Et aussi le nombre d'abonnés, on va essayer de lui faire passer les 100. Là actuellement il y a 85 abonnés, donc on va essayer de lui faire passer les 100. Donc n'hésitez pas à vous abonner en live, enfin en masse et en live, merci. Et nous voici sur la chaîne de Mazone. Alors Mazone, lui, il nous fait du Call of, il fait aussi du Fortnite, des lives fait à pub aussi. Donc apparemment ben, il y en a fait un hier, il y a eu 21 vues, ce qui est franchement pas énorme, donc... Abonnez-vous à sa chaîne parce qu'il fait également des lives aussi. Donc allez voir un maximum ses lives et tout. Il est actuellement à 324 abonnés. Donc on va essayer de lui faire passer au moins les 350 les gars. Donc n'hésitez pas à vous abonner en masse et allez voir ses vidéos. Parce que comme vous le voyez, il y a aussi pas mal de vidéos assez intéressantes. Donc voilà quoi. Sur Fortnite. Et... des lives et ta pub aussi, des lives Fortnite aussi qu'il fait, donc allez voir un maximum sa chaîne. Et on va essayer de lui faire passer donc les 350 abonnés. Voilà. Et nous voici sur la chaîne de Mama71 avec 126 abonnés. Donc on va essayer de lui faire passer les caps des 150 les gars. Et il fait des lives Twitch. Donc ma chaîne Twitch, donc il a une chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi dessus. Donc vous lui demanderez un commentaire pour qu'il vous file le lien de sa chaîne et tout. Et il a fait une vidéo setup apparemment aussi. Donc voilà, il y a des nouvelles intros. Il fait aussi bah, toujours de Fortnite. C'est comment déjà le jeu? Fortnite. Fortnite, merci. Et du GTA 5 et tout. Donc... voilà, n'hésitez pas à lui exploser la barre des likes de ses vidéos et également les abonnés. On va essayer de le faire passer 150 abonnés, les gars. Donc voilà quoi. Mais c'est une chaîne qui a l'air d'être franchement intéressante parce que il fait du facecam et tout. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne en masse. Donc Mama71, on va essayer de te faire passer les 150 abonnés. Et nous voici sur la chaîne de Button Kill 34, qui est actuellement à 237 abonnés, donc on va essayer de lui faire passer les 250 abonnés aussi. Donc comme vous voyez, il fait énormément aussi de live raid, de live et à pub. Donc n'hésitez pas à aller voir ses lives, à vous abonner à sa chaîne et à lui faire exploser la barre des compteurs de likes et la barre des abonnés, c'est le plus important. Et soyez actifs sur toutes les chaînes que je présente, soyez actifs un maximum. Et voilà. Et nous voici sur la chaîne de Leana Studio 02. Bon, malheureusement, sa chaîne n'a pas de vidéo, donc, mais ça ne vous empêche pas de vous abonner en masse sur sa chaîne. Pour l'instant, elle a 93 abonnés, donc on va essayer de lui faire passer au moins les 150 abonnés, les gars. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne de Leana Studio 02.
très bonne personne aussi, avec qui j'ai discuté un petit peu hier aussi sur le live. Franchement, très sympa. Donc, abonnez-vous en masse. On va essayer de lui faire passer au moins les 150 abonnés. Voilà. Encore merci d'être passé sur mon live. C'était super sympa. Et ici, nous voilà donc sur la chaîne de Nintendo Actu. Pour ceux qui sont fans de Nintendo et de Retro Gaming aussi, parce que bon, Nintendo, ben, ça fait des années que ça existe. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Franchement, j'ai été la voir un petit peu hier pendant le live et tout. C'est une chaîne très intéressante, franchement. Il fait des petits lives et tout ça, et donc il donne des avis sur les jeux Nintendo 3DS et tout ça. Donc voilà. Donc allez voir, franchement, sa chaîne en masse. Là pour l'instant, il est à 141 abonnés. On va essayer de le faire passer au moins les 160, voire les 170 abonnés. Et il y a pas mal de vidéos très intéressantes. Franchement, j'ai été voir, comme je te l'ai dit, un petit peu hier et tout. Il y a vraiment des super vidéos. Tu fais vraiment des chouettes trucs. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos. Comme vous voyez, il fait du Mario Kart en live. Il fait aussi du Super Mario. Il y a une vidéo aussi, c'est Détective Pikachu. Bon, c'était un live. Donc il fait également des lives aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Et au moins essayer de lui faire passer les 160 abonnés. Ce serait vraiment cool pour lui. Parce que c'est une très 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 bonne chaîne. Donc pour ceux qui sont fans de tout ce qui est Nintendo et un petit peu de jeux rétro et tout, allez voir sa chaîne en masse. Et nous passons maintenant à la chaîne de Darko128, qui est actuellement à 54 abonnés. Donc lui, on va essayer de le faire monter au moins à 70 abonnés. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Donc je regarde un petit peu vite fait. Ouais, tu fais vraiment beaucoup de... Le jeu que j'écorche toujours, hein, donc voilà, de Fortnite. Voilà. Et par contre, je vois que tu as une PS4. Si tu vois la vidéo, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires ton PSN. Donc comme ça, je t'ajouterai sur la PS4. Donc voilà. Malheureusement, j'ai pas ce jeu-là, mais j'en ai des autres. Donc si ça t'intéresse, eh ben, je te prends en ami quand tu veux. Donc il n'y a pas de souci. Donc 54 abonnés, on va essayer de lui faire passer au moins les 70. Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne en masse comme d'habitude, à liker ses vidéos et lui faire grimper les vues un maximum. Donc n'hésitez pas à foncer sur sa chaîne, les gars. Et ici nous sommes sur la chaîne de Simba QLF qui a actuellement 236 abonnés. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir sa chaîne en masse. Bon, apparemment il y a un petit peu de tout aussi. Bon, c'est beaucoup des chansons de PNL apparemment. Il y a une petite vidéo aussi où il parle de Simba apparemment. Mais c'est beaucoup des musiques de PNL. Du Fortnite aussi également, j'ai vu. Donc comme je l'ai dit, il a 236 abonnés. On va essayer de lui faire passer au moins les 250 abonnés, voire un peu plus. Et explosez-lui la barre des likes et faites-lui monter les vues. Mais mettez-lui des vues, mais en masse aussi. Donc voilà, et encore un très grand merci à toi d'être passé sur la live hier. Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, on va essayer de lui faire passer les 250 abonnés. Et ici nous sommes sur la chaîne de Glory. Glory qui est passé également sur mon live hier et qui est un très 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 gentil, une très gentille personne. Il fait du Rocket League, il fait du Fortnite aussi, du GTA V. Ah non, ici c'est une petite présentation de GTA 6 qui est prévue apparemment pour 2022. Donc si vous voulez avoir des infos sur GTA 6, eh ben allez voir sa chaîne. Franchement, voilà, il mérite de ouf. Et il est actuellement à 285 abonnés, donc on va essayer de lui faire passer les 300 abonnés, les gars. Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne et à lui faire exploser la barre des compteurs de likes et aussi la barre des vues. Si vous êtes fan de Rocket League et de Fortnite. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Bon bah ici nous sommes sur la chaîne de Tokyo Ken, qui est franchement assez stylé. Mortal Kombat, donc il y a une vidéo de Mortal Kombat Evolution. Donc c'est une vidéo évolution du Scorpion, enfin du personnage de Scorpion, des années 92 à 2015.
D'ailleurs, celle-là, j'irai la voir après la vidéo que je suis en train de tourner. Parce qu'elle m'a l'air très 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 intéressante. Et il est actuellement 80, 97 abonnés. Donc on va essayer de lui faire passer au moins les 140 voire 150 abonnés. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Parce qu'il y a pas mal de vidéos quand même. Donc assez intéressantes. Surtout celle de Mortal Kombat. Elle m'a l'air vraiment super cool. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Si vous êtes fan de Mortal Kombat. Et d'autres. Et de la musique aussi qu'il a mis. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne en masse, faites-lui exploser la barre des likes, la barre des vues et la barre des abonnés. Et nous voici sur la chaîne de Sony Gaming, qui est actuellement à 44 abonnés. Donc lui, on va essayer de lui faire passer au moins le cap des 60, voire 70 abonnés. Donc comme vous le voyez, bah, il fait également un petit peu de rétro gaming. Donc du Donkey Kong, bah, Mario Donkey Kong. Là ici du Pac-Man, donc ça c'est vraiment cool, c'est vraiment super cool ça pec, car je suis un grand fan de tout ce qui joue rétro gaming aussi, donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne et n'hésite pas à aller voir mes vidéos sur ma bande d'arcade si tu voudrais éventuellement t'en faire une. Donc on va essayer de lui faire passer au moins les 70 abonnés et n'hésitez pas à liker ses vidéos et à les partager en masse. Il y a aussi du Minecraft aussi, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, franchement petite chaîne que j'irai voir juste après aussi parce que ça m'a l'air très 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 intéressant. Donc voilà quoi, donc allez voir sa chaîne en masse. Et voilà, nous arrivons sur la chaîne de Spencer. Malheureusement il n'y a pas de vidéo non plus, mais il a quand même 229 abonnés, donc on va essayer de lui faire passer les 250 abonnés les gars. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et à le bombarder d'abonnements. Voilà, avec qui j'ai, c'est un mec avec qui j'ai discuté un petit peu hier aussi, franchement il a l'air vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne en masse et à vous abonner, merci pour lui. Et nous voici sur la chaîne de Susu303, les souverains. Également allez voir ses petites vidéos aussi, franchement c'est un gars très sympa aussi avec qui j'ai discuté un petit peu aussi hier. Pour l'instant il est à 9 abonnés, donc lui on lui fait exploser, mais exploser de ouf la barre des abonnés. On va essayer d'atteindre au minimum les 50 abonnés, voire plus les gars, déchaînez-vous sur sa chaîne, gentiment bien sûr, mais gentiment maximum, déchaînez-vous sur la barre des abonnements. Donc on va essayer de lui faire passer au moins les 50 abonnés les gars. Donc défoncez-lui la barre des abonnements et la barre des likes sur ses vidéos. Merci pour lui. Et nous voici sur la chaîne de Super Diable, qui fait également du Fortnite. Donc lui actuellement il est à 402 abonnés, donc on va essayer au moins de lui faire passer les 450 abonnés. Donc n'hésitez pas à aller voir ses vidéos, explosez lui la barre des likes comme d'habitude. Et voilà, donc et allez voir ses vidéos si vous êtes fan de ce jeu. Malheureusement moi je ne l'ai pas parce que je suis pas... C'est pas mon jeu préféré pour le moment, donc voilà. Puis après, je joue plus trop non plus aux jeux vidéo pour l'instant, donc voilà quoi. Et il y a une petite vidéo setup, les gars, de son setup. Franchement, il y a du matériel de ouf. Je vais pas vous la montrer plus que ça, je vous laisse la découvrir, mais il a un putain de PC, franchement. En plus des couleurs que j'aime bien. Donc c'est... Allez voir cette vidéo-là, franchement, je vous la conseille. Ça a l'air d'être très 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 intéressant. Donc n'hésitez pas. Super Diable. Allez voir sa chaîne YouTube et pétez-lui la barre des compteurs au minimum 450 abonnés. Et nous voici sur la chaîne de Monsieur RB, qui est exactement à 792 abonnés. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi sa chaîne, les gars. On va essayer de lui faire passer les 850, hein, au minimum 850 abonnés. Donc explosez-lui la barre de compteur de likes, les abonnements et tout, et allez voir ses vidéos. Franchement, c'est un très gentil gars aussi, avec qui j'ai discuté assez souvent. Et il y a une vidéo apparemment assez intéressante ici, celle qui est juste là. Donc c'est la vidéo de Justin Bieber contre Brock Lesnar. Donc ça, je suis curieux d'aller voir ça aussi tout à l'heure. Donc si ça vous intéresse, allez voir ça, parce que ça m'intrigue vraiment beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos et à vous abonner. Et ici nous arrivons à la chaîne de S200,
S200 qui n'a pas de vidéo non plus, mais allez voir quand même sa chaîne. Il est actuellement à 7 abonnés, donc lui, on lui fait exploser de malade la barre d'abonnement. Vous lui mettez au minimum 100 abonnés, les gars. Parce que c'est un très gentil aussi, franchement, il est passé sur la live hier aussi. Vraiment sympatoche, donc n'hésitez pas à lui défoncer la barre d'abonnement. Donc voilà quoi. Merci, un grand, grand, grand merci pour lui. Ici, c'est un petit remerciement spécial de monsieur Airtropix L. Allez voir sa chaîne aussi, franchement, lui, ça fait un petit moment qu'il est abonné à ma chaîne. Donc, c'est vraiment une grosse dédicace pour toi, poteau. Et t'es à 8 abonnés, donc explosez lui également la barre d'abonnés. On va essayer de lui faire passer au minimum les 50, parce que franchement, c'est un gars qui le mérite. Il est très actif sur la chaîne en plus. Donc, sur les chaînes qui s'abonnent, donc n'hésitez pas à vous abonner à lui. Franchement, vraiment très sympa. Puis en général, ses commentaires sont assez construits et tout, donc n'hésitez pas à vous abonner à lui. Un grand merci pour lui. Donc, les minimum les 50 abonnés, les gars. Une autre petite dédicace pour monsieur John. N'hésitez pas non plus à aller voir sa chaîne, franchement. Un très bon gars aussi qui me met. Enfin, qui est très actif aussi sur les chaînes et qui met des très bons commentaires. Des commentaires vraiment très construits et tout. Donc, il y a actuellement 2 abonnés. Donc, explosez-lui la barre d'abonnement aussi. Il le mérite vraiment, mais vraiment de ouf. Donc, voilà quoi. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Franchement, c'est un super gars. Une autre petite dédicace spéciale pour monsieur Welkefeu, qui est un modérateur, mais en or, franchement. Très bon gars aussi, super gentil et tout, donc qui fait un boulot de malade sur mes lives, donc franchement n'hésitez pas à aller le voir, allez voir sa chaîne et tout. Il est actuellement à 137 abonnés, donc lui on va essayer de faire passer au minimum les 150 voire 170 abonnés, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Bon, malheureusement il a que 2 petites vidéos dessus, mais allez lui exploser le compteur de vues de ses vidéos. La première à 45 vues et la deuxième à 113 vues, donc allez-y, explosez lui un maximum la barre de la barre de vue et bien sûr la barre d'abonnement. On va essayer de le faire passer au moins les 150, voire même plus, hein, donc lâchez-vous dessus, donc n'hésitez pas à bombarder la barre d'abonnement, enfin la barre d'abonnés. Un grand merci pour lui. Et passez également voir la chaîne de monsieur The Killer 99795 youtubeur, qui est actuellement à 96 abonnés, donc n'hésitez pas à lui faire passer au moins les 450 abonnés. C'est une personne très sympa aussi, franchement, qui est souvent présente sur mes likes et tout. Enfin, sur mes lives, pardon. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne en masse. Et allez voir ses petites vidéos et tout, qui sont relativement sympas aussi. Donc, abonnez-vous en masse aussi à lui. Donc, au minimum 150 abonnés, les gars. Et pour finir, une personne qu'on ne présente plus, monsieur Furious Gaming, qui est actuellement à 104 abonnés. Donc, n'hésitez pas aussi à vous abonner à lui. Wow, c'est un petit modérateur qui fait beaucoup de pubs pour sa chaîne, mais c'est tout à fait normal. Les lives et ta pub sont faits pour ça d'ailleurs, donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Il fait un petit peu de tout, du Minecraft, du Clash Royale sur Android et tout ça. Donc comme je l'ai dit, il est à 104 abonnés. Donc on va essayer de le faire passer au moins à 150 abonnés, les gars. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Donc Furious Gaming. Et un petit dernier pour la route. Monsieur Walid 6, qui est à 40 abonnés, donc lui où il fait passer le cap des 100 abonnés minimum. Donc n'hésitez pas à aller voir ses vidéos. Il fait des lives aussi sur PS4 apparemment et tout ça, donc n'hésitez pas à lui bombarder la barre des likes, à bombarder la barre des abonnés et tout et tout. Donc monsieur Walid 06, enfin 6 pardon, Walid 6, allez voir sa chaîne franchement et bombardez-le un maximum de likes et d'abonnements. Merci à vous. Et encore un très grand merci d'être passé sur le live. Et je suis vraiment désolé pour les autres. D'habitude, les lives sont en rediffusion. Mais malheureusement, ben, comme vous le savez, il y a un petit malin qui m'a tout simplement signalé le live. Donc le live a été supprimé par YouTube. Donc ici, j'ai fait des réclamations. Donc j'espère que la réclamation sera prise en compte et que la live sera de nouveau disponible. Donc j'espère. Donc ici j'attends. Je dois attendre 2-3 jours pour voir si c'est le cas. Donc voilà. Mais je vous reprends juste après pour vous expliquer encore 2-3 petites choses. Heureux les poteaux. Donc voilà, comme je vous le disais, je suis vraiment désolé pour ceux que je n'ai pas cités
dans les remerciements, mais malheureusement, un petit con m'a signalé, m'a fait un signalement du live. C'est pour ça qu'il y a eu une coupure hier, que j'ai dû recommencer vite fait le live, une petite trentaine de minutes. Parce qu'en fait, ça, comme vous le savez, ceux qui étaient présents, ça a coupé. Et en fait, j'ai remarqué juste après la diffusion du live que j'ai eu un signalement. Donc voilà. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein, malheureusement. On tombera toujours sur des personnes jalouses parce qu'on arrive à faire des bons lives. Enfin, des bons lives. Des bons petits trucs et ça casse les couilles à certaines personnes. Donc voilà. Mais pour cette personne-là, j'ai encore une petite dédicace pour lui. Je vous la diffuse juste après. Donc voilà. Nadine Mouk, Nadine Babek. Et voilà, c'était une petite dédicace pour toi qui m'a signalé mon live. En tout cas, encore un très grand merci à toi, mec. Franchement, t'as vraiment rien à foutre de ta live. Hein, donc voilà. T'amuser à signaler des lives, je vois pas l'intérêt, mais enfin bon. Donc tu vas vraiment avoir une vie, mais extraordinaire, magnifique. Franchement, chapeau à toi. En tout cas, merci bien. Franchement, toi, on parle encore de toi. Et que normalement, on devrait même pas passer 10 secondes à parler de ta gueule. Mais bon, c'est comme ça. Sinon, pour les infos. Parce que avec qui j'ai discuté de ça hier, les lives super chat, en fait il faut que la chaîne soit tout simplement monétisée pour pouvoir les faire. Donc il faut 1000 abonnés et obtenir donc les fameux 4000 heures de vue pour avoir la chaîne monétisée, enfin pour faire une demande à YouTube pour qu'ils remonétisent la chaîne. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez faire des lives super chat. Donc les lives super chat, c'est tout simplement. Vous avez la possibilité d'acheter des messages. Normalement, je crois que ça partait d'un euro. Mais il me semble que c'est 5 euros maintenant. Ça a changé, je crois, entre temps. Donc, c'est entre 1 et 5 euros minimum. Et la personne qui fait le live récupère une partie de l'argent dessus, sur ça. Et YouTube récupère le restant de la partie, enfin, le restant de l'argent. Mais vos messages seront passés, pas tout simplement en prioritaire. Et vous aurez aussi en jaune, je crois. Je crois que le message passe d'une couleur bien spécifique où vous pouvez tout simplement choisir la couleur que vous voulez marquer le message et tout. Donc vous serez beaucoup plus visible et tout. Donc ici, malheureusement, je ne peux pas le faire encore parce que je n'ai pas la chaîne monétisée. Donc il faut absolument que la chaîne soit monétisée et tout. Mais pour ceux que ça intéresse que je le fasse et tout, ça viendra avec le temps. Dès que j'ai les minutes de visionnage nécessaires pour refaire la demande à YouTube pour remonétiser la chaîne. Donc ne vous tracassez pas. Je continuerai également aussi les lives, hein, donc les lives et ta pub. Parce que pour le moment je n'ai plus de vidéos prévues à tourner pour l'instant. Donc à part deux, trois petits unboxings qui vont arriver peut-être un tout à l'heure. Il y en aura un normalement. Mais ça sera par rapport à Stephen King, donc au livre de Stephen King et tout. Donc si vous aimez les livres comme moi de Stephen King, eh ben, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai tournée tout à l'heure et qui sera publiée soit ce soir ou demain, donc n'hésitez pas. Et encore une fois, je suis vraiment désolé pour tous ceux que je n'ai pas pu citer dans les remerciements, parce que vous étiez énormément, mais franchement, encore un grand merci à vous de venir sur les lives et tout, et de tout simplement de me soutenir, même si mes lives ne sont pas forcément parfaits. Comme je dis, on fait du mieux qu'on peut avec le matériel qu'on a. Donc voilà, c'est pour ça que ceux qui n'ont pas beaucoup de matos, comme on m'a posé la question hier, qu'est-ce qu'il fallait comme matériel et tout sur YouTube pour commencer, il faut pas forcément avoir du matériel de ouf, hein, une bonne webcam, une webcam qui filme au minimum en 720p, donc en HD, minimum 720p ou 1080, ça dépend ce que vous faites, si vous voulez faire des lives, tout ça, une webcam en 720p ça suffit largement. Après si vous voulez faire des facecam et tout ça, ouais, là il vaut mieux quand même. Moi je vous conseillerais quand même de prendre une webcam en 1080p. Bon, ça il y en a à partir de 50, voire ça démarre à partir de 50, voire jusque 100 euros. Moi, celle que j'ai ici, je vais vous montrer la première que j'avais. C'est la Logitech C920 qui est ici, qui fonctionne très bien. Elle fait du 720p et du 1080p. Elle m'a coûté 80 euros à l'époque. Mais maintenant, vous pouvez la trouver à partir de 60 euros. Bon, le pied n'était pas avec. Ici, c'est le pied de mon micro que j'ai récupéré pour mettre dessus. Et celle-ci, elle me sert à faire les unboxings et tout ça. Donc, voilà. Et en deuxième webcam, j'ai la Logitech. Bon, c'est la même, mais le modèle juste au-dessus. Je ne me rappelle plus la référence. Mais avec celle-ci, vous avez l'opportunité de faire des fonds verts virtuels. Donc, vous n'avez pas obligé d'avoir le fond vert derrière vous. Pour faire des incrustations ici, la webcam le fait automatiquement avec un logiciel à installer avec la webcam et tout.
Et avec OBS et Splitcam aussi, vous pouvez le faire. Donc vous devez installer le logiciel de la webcam, plus OBS. Et dans OBS, vous rajoutez le logiciel qui vous permet de faire le fond vert et tout. Et vous avez déjà des fonds verts préinstallés dedans et tout. Et vous pouvez rajouter aussi des photos. Mais je vous conseille quand même de prendre des photos de très haute qualité, donc au minimum en 1080p, pour avoir une bonne qualité d'image. Sinon, ensuite, au niveau du micro, ben, il y a des micros d'entrée de gamme sur Banggood, qui sont pas mal du tout, qui coûtent à peu près une vingtaine d'euros, que j'ai déjà vu certains youtubeurs le tester. Et franchement, pour le prix, pour le rapport qualité-prix, c'est un micro qui fonctionne très bien pour un débutant sur YouTube. Donc c'est pas la peine non plus d'aller taper 60 ou 90 euros pour un micro. Après, moi ici, mon micro, je vais vous le montrer vite fait. Voilà, c'est celui-là. Donc c'est le Rode NT-USB. Donc celui-là, je l'ai eu en promotion à 170 euros avec le pied enfin avec le pied qu'on prend dans les radios. Vous voyez, c'est le fameux pied qui bouge comme ça, qu'on peut régler à hauteur comme on veut. Moi ici j'ai pris ce micro-là parce que j'ai d'autres choses à faire avec. Je ne fais pas que du YouTube avec, malheureusement, parce que 170 euros juste pour YouTube, c'est bon, voilà quoi, ça coûtait quand même relativement cher. Donc ici j'ai d'autres utilisations avec ce micro-là, donc c'est pour ça que j'ai dû investir un certain prix pour. Il y a encore 170 euros pour un Rode comme celui-ci, c'est pas encore énorme. Mais comme je l'ai dit, je l'ai eu en promotion, parce que normalement il coûte dans les 220 euros. Donc voilà quoi. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo-là vous aura plu. Encore une fois, je suis vraiment désolé pour tous les autres que je n'ai pas pu citer. Parce que malheureusement, ben, le petit con m'a signalé. Donc voilà. Donc je suis vraiment désolé. Mais n'hésitez pas à revenir sur les prochains lives et tout, à vous abonner à la chaîne, à aller voir mes vidéos. Et n'oubliez surtout pas, surtout pas, surtout pas, le gros concours que j'organise. Donc c'est pour gagner une borne d'arcade. Je vous remettrai une petite photo en fin de vidéo pour vous montrer la borne, pour ceux qui n'étaient pas présents sur le live et tout ça hier. Et donc cette vidéo-là est sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Il faut être abonné à la chaîne, mettre un petit like et ben, je participe dans les commentaires. Et le tirage se fera à partir du 20 décembre. C'est une borne qui a une valeur de 270 euros. Donc vous voyez, c'est quand même pas une borne de merde. Et l'avantage de cette borne-là, c'est que vous devez tout simplement la brancher sur votre télé. Donc si vous avez un télé HD, qui contient une fiche HDMI, ben, vous posez ça sur votre table de salon, vous branchez l'HDMI, vous aurez les deux joysticks, donc il y aura deux joueurs. Et vu que c'est un Raspberry qui sera à l'intérieur, vous pouvez également rebrancher des manettes Xbox 360. Donc ces manettes là en USB, et vous pouvez y brancher également des manettes PS3 en Bluetooth et des manettes PS4. Normalement les manettes Xbox One fonctionnent aussi en USB. Il faut juste mettre un. Alors en fait, non, il n'y a plus besoin de mettre le jungle USB, parce que le Raspberry maintenant, enfin Recalbox a activé le Bluetooth. Donc vos manettes qui seront sans fil seront reconnues automatiquement. Donc voilà quoi. Donc comme ça, vous pouvez jouer soit avec la manette ou directement avec les joysticks, c'est comme vous voulez. Et l'avantage, comme je l'ai dit avant, c'est qu'elle sera transportable, parce que vu qu'il n'y a pas d'écran intégré dedans, ben, vous pouvez aller chez vos potes avec. Vous prenez la borne, vous la branchez chez votre pote et vous pouvez passer des heures et des heures à jouer à tout ce qui est jeu rétro, donc tout ce qui est Nintendo, Sega. Voilà. Donc j'espère que vous serez nombreux à participer à ce concours-là. C'est un concours que j'organise pour les 1000 abonnés, donc n'hésitez surtout pas à aller voir la vidéo, la liker, parce qu'il faut un minimum de 300 likes, et mettre je participe dans les commentaires et être abonné à la chaîne. Voilà les gars, je vous dis à la prochaine, c'était Balki187. Ciao!